Monsieur, il me faut une femme de chambre qui ressemble à ça. Je la veux jolie, élégante, fine, propre. Je la paierai ce qu'il faudra. Si ça doit me coûter 10 000 francs, tant pis, je n'en aurai pas besoin plus de 3 mois. Il avait l'air très étonné, cet homme. Il demanda, « Madame la veut-elle irréprochable ?» Je rougis, je balbutiai, « Mais oui, comme probité. » Et il reprit, « Et comme mœurs ?» Je n'osais pas répondre, je fis seulement un signe de tête qui voulait dire non. Puis tout à coup, je compris qu'il avait un horrible soupçon, cet homme, et je m'écriai, perdant l'esprit, « Oh mais monsieur, mais c'est pour mon mari qui me trompe, enfin qui me trompe en ville !» Et je veux qu'il me trompe chez moi, vous comprenez? Pour le surprendre! Tu ne comprendras absolument rien à ce que je vais te dire. N'importe, si ma lettre tombe par hasard sous les yeux d'une autre femme, elle lui sera peut-être profitable. Si tu avais été sourde et muette, je t'aurais sans doute aimé longtemps. Longtemps? Vous m'avez avoué votre liaison, ce qui équivalait à me donner l'autorisation de vous imiter. Je ne l'ai pas fait. Permettez. Laissez-moi donc parler. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai point d'amant et je n'en ai pas eu. Jusqu'ici. J'attends. Je cherche. Mais je ne trouve pas. Il me faut quelqu'un de bien, de mieux que vous. C'est un compliment que je vous fais là et vous n'avez pas l'air de le remarquer.